Guillaume se préparait pour la transhumance, mais il avait beau compter et recompter, il manquait 6 moutons dans le cheptel. La nuit avait fait son travail de sape. Il aurait suffi de lire l'avenir dans les balles du chasseur. Pour la première fois, le berger comprenait ce qui lui arrivait. Il y avait une logique. Un chien, 6 moutons. C'était le taux d'usure que Joseph avait établi. La certitude des pierres raconte l'histoire de Ségurian, un petit village de 400 habitants dans le sud-est de la France, où vont s'opposer un groupe de chasseurs et un berger. Le berger s'installe dans son bon droit, mais sur le territoire de chasse de ce groupe. Et ça va être l'antagonisme entre ces deux entités qui va faire l'enjeu du roman. Ce qui m'a séduit, c'est les deux personnages principaux, à savoir Joseph, qui est le chef du village, disons, le chef des chasseurs, le chef de tout, le bâtisseur, et Guillaume, le vasseur, ce jeune berger qui va s'installer et qui est aussi déterminé que peut l'être Joseph. Ils ont tous les deux des caractères très forts. En même temps, ils se posent des questions tous les deux, mais leur certitude et leur entêtement va prendre le dessus. Jérôme Bonnetto est né à Nice, il a écrit déjà plusieurs ouvrages. C'est le premier aux éditions Incultes. Moi, je l'ai découvert grâce à ce livre. Il vit maintenant à Prague où il enseigne les lettres et le cinéma. C'est un style très noir, mais plongé dans l'humain en même temps. Plus ça va, plus les sentiments se renforcent et plus le style se fait fort, court, narratif et intéressant. J'ai été tenue par l'intrigue et j'ai aimé le personnage de Joseph qui, malgré tout, a de l'admiration pour ce Guillaume qu'il ne comprend pas bien, mais dont il voit que c'est un travailleur. Mais malgré tout, c'est le chef du clan, c'est le chef du village. Il ne peut pas s'empêcher d'aller contre. C'est ce qui m'a séduit aussi, c'est que ça parle un peu de notre civilisation maintenant, où les gens ne s'écoutent plus, où on vit les uns à côté des autres sans se parler, et on a des certitudes et on se braque dans ces certitudes.